La planète Saturne nécessite 29,46 ans pour faire un tour complet autour du Soleil. Calcule la longueur du demi-grand axe de son orbite en kilomètres. Voici la situation et voici les données. La période de révolution de Saturne vaut 29,46 ans. Comparons le tout par rapport à la Terre. La période de révolution de la Terre est de 1 an et la longueur du demi-grand axe de l'orbite de la Terre autour du Soleil vaut 150 millions de kilomètres, c'est-à-dire 1,5 fois 10 exposant 8 kilomètres. Nous cherchons la longueur du demi-grand axe de Saturne, longueur que nous exprimons en kilomètres. Et pour la trouver, nous allons appliquer la troisième loi de Kepler. Loi de Kepler qui mène de suite vers A indice s est égal à la racine cubique de cette fraction. Fraction dans laquelle nous remplaçons les trois grandeurs par les valeurs connues. Et c'est ainsi que nous trouvons que le demi-grand axe de l'orbite de Saturne vaut à peu près 1 milliard 430 802 710 km. L'exercice est terminé, mais comparons cette distance par rapport à la distance pour la Terre, c'est-à-dire calculons ce rapport. Il suffit donc de diviser ce nombre par celui-là, et c'est ainsi que nous trouvons que le demi-grand axe de Saturne vaut à peu près 9,5 fois le demi-grand axe de la Terre.